Quand on parle de famille, on dit il ne faut pas attaquer les femmes de quelqu'un, les enfants déjà laissez-les à côté. Les Wars sont en train de se victimiser. Si vous regardez les choses de près, Marco VI, Ipupa, c'est un chanteur des gens. Il est une personne publique. Il a droit aux critiques. Ça, c'est différemment à Ozegola, qui n'est rien, qui n'est rien d'atout. Il n'est même pas musicien, il n'est pas chanteur. Donc, quand on veut parler des enfants, il faut bien définir quelle sorte d'enfant. Puisque moi, je suis l'enfant de quelqu'un, Marco aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Si moi, je suis passé par des... On me traite. On fait des analyses sur moi parce que je me suis fait un homme public. Marco VI, il est également un chanteur, un homme public. Et si on fait des analyses sur lui, laissez-nous calmement, bonnement et fiche-nous la paix. Ozegola, qui n'a jamais chanté, il est traité de tout sur les réseaux sociaux juste parce qu'il est enfant de Ferigola. Les communicateurs et communicatrices de Fally Ipupa font tout pour détruire, soit dérouter la mentalité de tous ceux qui veulent aller en Suisse pour agrémenter la soirée avec Ferigola. Il faut tout pour désorienter ces gens-là et les mettre dans des distractions, des polémiques inutiles. Avant que j'entre en détail dans la vidéo ici, mes chers amis, si vous avez vraiment envie d'aller écouter de la bonne musique, vous voulez aller voir, soit écouter les qualités professionnelles de Ferregola, alignez-vous directement sur la voie d'achat des billets Genève Arena. Ce n'est pas un coin où vous pouvez vous tromper, c'est un coin qui est facile, simple. Il n'y a qu'un seul Genève Arena en Suisse. Achetez les billets, allez promouvoir la culture congolaise. Nous, les Congolais, on aime la rumba. Et la personne qui nous amène vraiment la rumba organique, la rumba originale, la rumba authentique, nous n'avons que Ferregola. Celui qui veut la musique de Yupiya, allez chez Fally Ipupa. Mais celui qui veut de l'authenticité, de l'originalité de la rumba, va aller vraiment jouer, se trémousser à la musique de Ferregola le 15 juin 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le sentir de Fally Ipupa, l'homme qui ne veut pas vraiment lâcher? Il est prêt à tout juste pour sa gloire. Aujourd'hui, on a vu Ozegola qui se promenait bonnement en route. Les Warriors l'ont pris des vidéos. Et on commençait à crier sur lui, appelé Clochard, un enfant qui a sa famille, qui dort bien même plus que ses petits warriors. Et les choses sont allées de gauche à droite sur les réseaux sociaux. D'abord, Demeure Nyangi, c'est la fille qui alimente tout ceci. Je ne pense pas qu'elle est vraiment la personne capable à donner de l'éducation sur les réseaux sociaux. Puisque elle-même, elle est d'abord une femme de Vergondé. Demeure Nyangi, c'est une femme qui n'a pas de valeur. Une femme sans valeur, c'est elle qui veut nous donner des leçons morales. Quand il parle des affaires des artistes, le monsieur, encore une fois, Marco aussi, c'est un affaire, mais il est artiste, il a droit aux critiques. La musique qu'il vient de faire sortir, ce n'est pas une musique, ce n'est pas une chanson. C'est un enfant qui veut vraiment jouer de la musique au nom de son père. Son père a échoué dans la musique, mais c'est lui qui veut vraiment venir également embrouiller les gens dans la musique. Je ne pense pas que c'était un débat à faire. Tout le monde a vu que c'était petit, qui veut se débrouiller. Il veut aider sa maman, peut-être parce que la situation sociale, la situation économique, peut-être ça ne marche pas. Alors il veut essayer. Mais quand on voit la fille Ozego là, c'est un homme qui fait les études, qui étudie, un homme qui est posé. Et s'il veut chanter un jour, il va nous chanter de la bonne musique. S'il veut vraiment mettre sa figure, sa voix au service de la nation congolaise, on va écouter que de la rumba, encore une fois, de l'originalité de la rumba congolaise. C'est ce que la population congolaise attend de nos musiciens. Nous, des souches, nous les Congolais des souches, on a besoin de la rumba congolaise, on a besoin de la musique pure, musique organique, une musique qui a notre identité. On n'a pas trois ou bien quatre identités au Congo. Quand il s'agit de la musique, nous avons l'identité de la musique rumba. Et c'est ce que Ferregola nous a toujours
présenté, nous a toujours donné. C'est à nous maintenant de valoriser la rumba là, de soutenir la personne qui détient la clé de la rumba congolaise originale, qui est Ferre Gola. Alors, quand il s'agit de Rebo Chulo, la femme de Inos B, il y a beaucoup de gens qui la même fille encore, la femme de Vergonde, de Mère Nyangi, qui dit toujours que Rebo Chulo a manqué de respect, c'est elle qui devrait, en tout cas, les gens ne comprennent pas les choses comme elles vont. Rebo Chulo, c'est une femme qui chante il y a longtemps, elle a des œuvres qui parlent à son nom. Sur les réseaux sociaux, c'est le petit Marco 6 qui est nouveau dans les showbiz. C'est lui qui doit venir vers Rebo Chulo et non Rebo Chulo vers les petits. Donc Rebo Chulo a bien fait de garder sa bande. D'abord, elle est artiste, elle est chanteuse, elle est également, elle est star. Et puis, elle est la femme de quelqu'un. La femme de quelqu'un ne va pas aller se mélanger avec un petit de la rue. Marco, si ce n'est pas un garçon qu'on doit dire, un garçon qui vient d'une famille qui est posée, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Donc, un petit, donc vous voulez que, parce que Rebo est jeune, Inos B est jeune, il faut se mélanger avec tout. Le game de Inos B, selon moi, c'est le game de Fally Ipupa. Ils jouent dans les mêmes ligues, la musique urbaine. Mais le petit Marco 6, il n'a aucune chanson, la chanson de curiosité, juste à cause de son père. Maintenant, vous voulez que ces petits-là puissent se mélanger avec des gens qui ont déjà leur nom dans la musique congolaise. Et vous voulez qu'ils puissent se mélanger puisqu'ils ont le même âge, ils doivent se donner des calais partout. Mais on ne donne pas calais à n'importe qui. On ne donne pas calais à n'importe qui. Le petit Marco 6, c'est n'importe qui devant Rebo Chulo. C'était petit n'importe qui. On ne doit pas mélanger les torchons et les serviettes. Rebo Chulo, c'est une star déjà. Elle a déjà fait son nom. Quand on a parlé de la rumba congolaise, la rumba congolaise, il y a la voix de Rebo Chulo dans la rumba congolaise. Mais le petit là, il n'a aucune référence au Congo. Et le petit l'avait juré seulement de nom de son père. Mais quand on voit les réalités, ce n'est pas la personne avec qui Rebo va aller commencer à se mélanger. On ne se mélange pas avec n'importe qui. Si vous voulez que la symbiose reste dans la musique congolaise, il faut commencer d'abord par vous-même. Regardez tout ce que Inos B est en train de faire dans la musique congolaise. C'est un musicien qui se donne corps et âme, faire des featuring avec les jeunes artistes congolais, ce que Fally Ipupa ne fait pas. Rebo Chulo, elle est en train de construire sa carrière, elle ne va pas mélanger sa carrière avec des fans. Le petit comme Marco aussi, c'est fan de Rebo Chulo. Quand il voit Rebo Chulo, Marco aussi est épaté, il voit, et finalement lui aussi, il a vu des stars. Ce n'est pas parce que quelqu'un est passé par Africa numéro 1 qui devient star. Il y en a combien qui sont passés là-bas? Combien sont passés par des radios? Son père même, Fally, il est passé par combien de chaînes? Et puis les résultats qui nous amènent, c'est quoi? Combien de résultats nous avons vu de Fally Ipupa? Des résultats amers. Il n'a jamais donné quelque chose de bon. À plus forte raison, son fils. Qu'est-ce que son fils va donner? Qu'est-ce que son fils va donner? Est-ce que moi, donc quand on voit d'abord la musique, est-ce que quelqu'un comme moi, même un jeune, peut payer pour aller voir Marco 6? Un petit qui parle comme ça, ça c'est un petit que quelqu'un peut aller vraiment voir. À un moment donné, il faut vous donner du respect. On ne peut pas mélanger tout le monde. Rebo Chulo, c'est une femme déjà qui a des producteurs. Elle fait des lives, elle sort. Marco s'est sorti, il est déjà sorti où? Pour qu'il soit des camarades aujourd'hui. Demer Nyangi, si tu as fumé des chavres, il faut bien vraiment mélanger tes herbes. Il faut bien vraiment mélanger. Il faut bien vraiment mélanger et doser votre niveau avant de parler des hérésies sur les réseaux sociaux. Quand il s'agit de Ferre Gola, vous êtes prêt à détruire tout. Vous allez détruire parce que Ferre Gola n'a pas besoin de la vie. Ferre Gola n'a pas besoin d'être accepté dans la communauté. C'est ça vous. Mais n'oubliez pas que les gens qui aiment Ferre Gola, on l'aime avec un cœur, un amour sincère. Ce n'est pas quelque chose de forcé. On ne force pas pour aimer Ferre Gola. Quand il y a des choses qui ne vont pas, on dit Ferre Gola, ça ne va pas.
Quand il y a quelque chose qui va, on dit oui, ça va. Au moment où on fait là, j'ai fait la vidéo ici, ça va, j'ai fait rigolo là. Bientôt, si vous faites, si vous ne faites pas attention, il y aura des sold out à Genève. Pendant que à Lyon et à Bordeaux, ça fait mal. Au Congo, on a annulé le concert de Fally Ipupa, puisque c'est un monsieur qui n'est pas d'abord, il n'est pas nationaliste. Il n'est pas un homme qui réfléchit même au niveau de la population, au niveau national. Il vient avec ses irisies, il veut jouer. Là, on ne joue pas avec... Goma n'est pas qui. Là, on ne joue pas avec n'importe qui. On l'a donné une discipline parce qu'il ne comprend pas. C'est un homme qui crée des divisions. Il n'y a pas de fans qui peuvent soutenir Fally Ipupa au Congo ou à l'Est. Il n'y en a pas. Ça, c'est la réalité. Alors, un petit local à Marco 6. Bon, comparé, il y a un local à Osé. Gola. Quand vous les mettez ensemble, là, est-ce que ça se ressemble? Quand vous les mettez ensemble, est-ce que ça se ressemble? Vous allez dire, il faut laisser les femmes de quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a parlé des femmes de Férigo? Parce qu'elle se respecte. Elle est toujours là. Elle se respecte. Elle n'est pas quelqu'un, elle n'est pas une figure publique. La copine et concubine de Fally Ipupa, Nana Ketchup, elle est toujours sur les réseaux sociaux. Elle est une figure publique. On doit parler de elle. Vous, les Congolais, il faut arrêter votre il faut arrêter votre hypocrisie. Aux États-Unis, on critique la femme du président parce que c'est déjà personne publique. Aux États-Unis, on critique le président. Fally Ipupa, c'est le président de ce groupe. On les critique. Sa femme est sur les réseaux sociaux. On la critique. On critique Camille Makosso. On critique ses enfants. Mais c'est au Congo qu'on ne peut pas critiquer les enfants. Depuis quand il est écrit qu'on ne peut plus critiquer les enfants? Depuis quand on a dit qu'on ne peut pas critiquer les affaires des musiciens? Quand tu te comportes mal, on te éduque, on te parle, tu te comportes mal sur les réseaux sociaux, on va te donner une éducation sur les réseaux sociaux. C'est comme ça. Si vous, au Congo, vous ne faites pas cela, d'autres parties ont le fait. Et si vous amenez vos bêtises sur les réseaux sociaux, nous allons parler de ça. Votre femme Ketchup, c'est une femme qui ne se respecte pas sur les réseaux sociaux. Si, pourquoi on ne critique pas la femme de Kameri? Pourquoi on ne critique pas la femme de Jibem Piana? Pourquoi on ne critique pas la femme, je ne sais pas de qui? Parce que ce sont des femmes qui savent comment protéger leur foyer. Ces femmes-là savent comment garder leur bande. Mais la femme de Fally, elle est toujours sur les réseaux sociaux. Donc, elle nous permet, elle nous donne avis, elle nous donne et let's go de critiquer ses comportements sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que nous on fait. Que tu le veuilles ou pas, on critique ce qui est sur les réseaux sociaux. Que tu montes, tu descends, nous on va critiquer ce qui est sur les réseaux sociaux. Moi, votre frère Gilman, si vous aimez la vidéo, commentez, partagez. On se voit très bientôt et à plus.